Alors, El Market, c'est un concept store éco-responsable qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, sur lequel on vend à la fois des produits déco, art de la table, bien-être, vêtements, mode, enfants. Et tous les produits qu'on a ont une plus-value sociale et ou environnementale. Ça va du commerce équitable au bio, tout ce qui était biologique quand on a démarré une quinzaine d'années. Et ensuite, on a développé à d'autres formes d'éthique, telles qu'aujourd'hui, tout ce qui est made in France, local, zéro déchet. On essaye voilà, d'élargir le panel et de pouvoir offrir une offre là-dessus. Alors l'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est un peu une des solutions sur l'après-Covid. Ça l'était déjà avant, mais ça va le devenir encore plus. C'est-à-dire d'être plus responsable dans ce qu'on fait, dans des actes d'achat qu'on peut faire tous les jours, régulièrement. Ça veut dire aussi dans la manière de gérer, de s'organiser en interne dans la boutique, avec d'autres partenaires, et de se dire qu'une autre forme de commerce est possible, qu'une autre forme de relation entre les gens est possible, et qu'on peut obtenir un meilleur équilibre. Alors nous, on a sorti un grand soutien de la part de nos clients. On a senti qu'on avait une base assez solide, ça a fait plaisir, notamment lors du premier confinement. On a reçu beaucoup de messages de soutien et les gens ont continué à acheter. On faisait des livraisons en vélo, on essayait de s'adapter. Et on voit effectivement qu'après la période Covid, on a de plus en plus de monde qui vient justement avec une autre optique de démarche d'achat, de comment je peux faire pour sensibiliser les personnes qui sont autour de moi, faire en sorte que mes démarches soient plus responsables et pouvoir améliorer un peu le monde dans lequel on vit. Nous, on participe à de nombreux événements que fait la ville. Je pense notamment à tout ce qui est le mois de l'économie sociale et solidaire, la quinzaine du commerce équitable. Pour nous, c'est des événements importants parce qu'ils permettent de sensibiliser les personnes. Alors, il y a ceux qui connaissent déjà, qui découvrent de nouveaux produits, puis il y a ceux qui ne connaissent pas et qui ça leur permet de voir un peu, de faire le premier pas sur une autre forme de démarche. Et on essaye de suivre ces mouvements-là pour amplifier un peu le phénomène qui existe aujourd'hui, et on accompagne la mairie de Lille, et la mairie de Lille nous accompagne dans toutes ces démarches-là.